Nouvelle vidéo, t'as touché le... Laisse ta manette qui, c'est narcotag, narcotag. Laisse ta manette qui, narcotag, narcotag. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Narcotag et on se retrouve pour cet épisode numéro 9 de Narcotest. On va manger parce qu'on a un petit peu faim. Vous venez de voir en théorie un accéléré si l'enregistrement a bien marché, j'ai pas fait gaffe. J'ai coupé pas mal de bois et j'ai trouvé aussi pas mal de ressources. Entre temps, attention suspense, tananana. Donc j'ai retrouvé un petit peu de diamants, j'ai presque un stack, c'est énorme. J'ai rien trouvé de ça, rien trouvé de ça. J'ai trouvé un petit peu de redstone, bon, ça c'est la glowstone de la dernière fois. J'ai retrouvé 50 minerais d'or, c'est complètement abusé, mais il faut dire aussi que je me suis concentré sur le minerai d'or. Pourquoi? Parce que pour faire des rails à propulsion, comme je voulais faire, il va nous falloir pas mal d'or, et j'ai eu de la chance, j'en ai trouvé. Bon, tout va bien. Ensuite, j'ai retrouvé un petit peu de fer, et ça c'est le bois que j'ai récolté précédemment, donc on va récupérer ça déjà. Ah oui, du coup j'ai tué aussi pas mal de squelettes. 26 flèches et 35 os. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir la transformer en bonne mille, en poudre d'os donc. Pour ouf, voilà, pour pouvoir alimenter nos petites plantes. On va aussi poser ce qui nous sert à rien, c'est à dire, alors le fer. Déjà je vais le poser là. Toc, je me suis fait aussi trop de haches. Bon c'est pas grave, on va poser ça là. Ça là. On va récupérer ça, oups, ça et ça pour le faire fondre aussi. Alors là j'ai pas fait gaffe, mais bon bah ça avait fini de fondre quoi qu'il arrive. Mais ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va récupérer un petit peu de charbon. Charbon, voilà, merci beaucoup. Parce qu'il n'y a plus de charbon. Alors charbon, 1, 2, 3, 4, 5, lalalala. Voilà, très bien, 10. On récupère tout ce fer. On va en mettre une petite moitié là. On va en mettre une autre petite moitié là. On récupère ce fer qui est là. On va remettre 10 là. 9, 10, très bien. Ici, 11. Bim. Putain, oh mais j'en ai à l'infini. 25 ici, on va remettre. Voilà. Et ici, 11. Ah, il y avait déjà de l'or, ouais. On va remettre. Voilà. Et on va mettre le reste de l'or. Voilà. Bon, et au final, on a quoi? Alors, on a 11 or. Et niveau fer, les gars, on est vernis. Ça c'est cool. Donc ensuite niveau flèche, toc toc, voilà. Alors ça on avait des bâtons, ça c'est les crochets qui nous restaient. Putain, il va falloir vraiment que je me fasse une salle des coffres ou quoi, parce que là ça commence vraiment à être le bordel dans cet inventaire. Ça c'est l'obsidienne de la dernière fois. On a 1 2 3 4, voilà, 1 2, voilà. Ah ouais, du coup, what the... Ça fait un moment que je suis pas retourné du coup. Oh, ça a pas poussé plus vite que la dernière fois, tiens. Bon, écoutez.
Déjà on va récolter ce qui a bien poussé. Hop, ça va être notre rituel je crois. Chaque début d'épisode on va se faire notre petit champ. Entre deux sessions de minage intensive. Hop hop hop. Toc toc. Voilà, on est bien. Alors les graines elles sont là. On va les mettre à la place des torches. Alors graines, tac tac. On va reboucher déjà tout ce qui a été, voilà, enlevé. Et puis après avec le surplus on va agrandir notre terrain. Voilà. Bon, on est pas mal là. 9 en surplus. C'est cool tout ça. Hop et hop. Voilà. On a aussi des citrouilles qui ont poussé. C'est bien tout ça. C'est bien des carottes. Alors, oh bah tiens, il n'y a pas beaucoup qui ont poussé là. Je suis triste. Toutes celles-là, elles vont pousser, mais pas les autres. Tiens, tiens donc. Voilà que je regarde un petit peu combien de temps ça met pour pousser les trucs de carottes, parce que je suis pas du tout au courant. Hop, voilà. Et la citrouille, tiens, il n'y en a qu'une qui a poussé. C'est bizarre, cette histoire. Bon, écoutez. Enfin, pas la citrouille, là. Ça, là. La pastèque, voilà. Ensuite, niveau citrouille. Voilà, vous savez quoi, on va les laisser pour faire joli pour l'instant, parce que... Quand on les casse, à mon avis, ça fait quoi? Ça fait rien. Voilà, ça refait une citrouille, quoi. Voilà, c'est ça, que ça va servir à rien. Et alors là, par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est ça. Alors, tac, 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 tac. Voilà. Je sais pas si avec la bonne mille... Non, ça peut pas pousser ça avec la bonne mille. Et oui, c'est bien ce que je pensais. Ce qu'on va faire avec la bonne mille, par contre, c'est qu'on va essayer de faire pousser nos petites carottes. Carottes, carottes, carottes. Comme ça, on agrandit notre champ de carottes pour qu'on puisse se nourrir avec. Hop. Ah merde, là, j'en ai mis en trop. Tac, tac. Des fois, ça pousse plus vite que d'autres, c'est bizarre. Hop. Hop. Ça va qu'on a trouvé pas mal d'os. Regardez, là, il en faut 3 et là aussi. C'est bizarre. Bon, ben voilà. Et là, là on va tout recasser. Yaaah ! Adieu, carotte ! Yaaah ! Bon, ben voilà. On n'a pas fait tomber là-dedans. Non, tout va bien. On a combien de carottes ? 53. Bien, bien, bien. On va replanter nos carottes. Alors 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je crois qu'on va commencer même notre troisième ligne là de carottes. Ah bah oui, même plus que ça. Même plus que ça. Là, on est vraiment bien comme il faut niveau carottes. Hop. Oh, toi, pourquoi tu veux pas... Ah bah voilà. Bon, bah, écoutez les gars. Je sais pas quoi vous dire à part que... On est bien comme il faut là. Voilà, easy. Alors ça, du coup, on va s'en servir. Et puis je replanterai le reste là-bas. Toc, 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 toc. Alors, comment on fait déjà? Ouais, c'est comme ça, voilà. 3. Hop, et je crois que c'est 1, 2, 3, et... Shit, motherfucker. Motherfucker. J'avais du cuir. 8, voilà, bien, merci. Alors, pour l'instant, c'est 1, 2, 3. Toc. Et un cuir pour faire un livre. Le livre, l'obsidienne et les diamants. Table d'enchant, bien. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire aussi... Pour l'instant, la canne à sucre, je vais la mettre là-bas. Je m'en servirai plus tard pour refaire d'autres livres, d'autres bibliothèques, etc., etc. Hop, hop, et... Oh là là, ce chiffre tout rond, les gars, c'est magnifique. Là-bas, ça a repoussé. Alors, toi, 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 toi. Merci bien. Tac, tac, tac. Et j'hésite, du coup, est-ce que ce serait con ou pas que j'en fasse un truc sur deux étages? Ah mince, 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 mince. J'aime pas ça. Voilà. Et du coup, bim. Je vais en récupérer la moitié pour aller les donner à notre ami les vaches. Parce que c'est vrai que, du coup, niveau vaches et tout, j'ai pas... Je les ai pas nourris. Dans le dernier épisode, je l'ai pas fait. C'est un petit peu bête. Alors, toi, on va faire des bébés avec elle. Allez, voilà. Toi avec...
toi. Voilà. Toi. Avec toi. Et toi avec toi. Je vois que vous aviez déjà commencé. C'est bien. Continuez. Et qui a pas eu le droit de baiser ici? Toi t'es le droit, toi t'es le droit, toi t'es le droit. Bébé, fais des bébés ensemble. Dégueulasse. Pourquoi je gagne de l'XP? Putain, j'ai 40 niveaux d'XP. What? Le mec s'en était même pas rendu compte. Si, si, tout le monde a fait des bébés avec tout le monde ici. Bon, bah c'est cool. Alors, toc et toc, vous ne vous échapperez pas. Merci beaucoup. Faudrait que je fasse un assas ici, en fait. On va remettre le blé. Bon, pour l'instant, on s'en fout. Rail. Alors, voilà, rail. Plus important, 11. Bim. Là, j'ai récupéré pas mal de rails, du coup. Bâton, bois, nickel. Il va me falloir aussi de la redstone. Hop, redstone. À la place de... Pour l'instant, de rail. Putain, c'est vraiment le bordel. Il faut vraiment que je fasse un truc là pour mon inventaire. C'est plus possible. Charbon, cuir, ça bordel, ça bordel, ça bordel, ça bordel. Non, ça j'ai dit que je gardais. Bordel, 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 bordel. Je ferai plus de coffres. Et diamant, non, ça diamant, toi tu restes là diamant. Voilà, 60 diamants. Ouh. C'est beaucoup tout ça. Ok, alors. Si je me souviens bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bâton et redstone. Voilà, et on a 6 rails de propulsion. Parfait. Il va nous falloir plus d'or cependant. Donc heureusement que j'en ai trouvé ici. 25. Ici 25. Et niveau du fer aussi. 15 ça a fondu. 16 ça a fondu. Et voilà, je crois que c'est tout. On était déjà pas mal hein, quand même. Voilà, très bien. On a... Putain, on a presque un stack d'or. Wow. Oui, alors. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bâton. 1, 2. Et redstone. 1, 2. Voilà. On est pas mal là. Ensuite, il va me falloir de la pierre lisse. Alors, pierre. 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 Pierre, pierre, pierre. Tac. Alors, toi ici, toi ici, toi ici. Ensuite, je veux une pierre lisse. Pour me faire un bouton. Parfait. Parfait, parfait. Ici, comment je vais me démerder pour faire des rails qui montent? Telle est la question. Déjà... Non, je peux pas poser de rails sur de la glowstone. Seriously, les gars. Aïe. Ça, c'est un truc que j'avais pas prévu. Ah, s'il faut que je refasse ma tour en une autre matière, ça va être dégueulasse. Et les rails normaux, je pense que c'est pareil. Je peux poser là, mais je peux pas poser là. Et ouais. Bon. Réfléchissons. Je vais devoir utiliser une autre matière. Ça va faire dégueulasse. Quoique, pas forcément. Après, ça dépend c'est quoi comme matière. J'ai pas un bloc... Ah bah ouais, un bloc de bois. Tiens, si ça va le faire, un bloc de bois. Du coup, j'ai récupéré pas mal de bois. Je vais pouvoir faire pas mal de planches. Et boum, voilà. Et du coup, on va récupérer la redstone. La glowstone, pardon. Alors, clac, clac. Bon, bah c'est parti, du coup, ça va être un épisode... J'ai toujours pas regardé le timer, si. Il reste encore 20 minutes, on va dire. Let's go. Toc. Toc. Et là, on va monter jusqu'en haut, comme ça. Ça va être un peu long, je suis désolé. Du coup, on drop... On récupère la glowstone qu'on a utilisée en créa. Ah, le fourbe. I'm sorry. Tac. Voilà. On verra d'en bas après ce que ça donne, mais je pense que ça sera pas trop moche. Oh, voilà. J'espère. Alors là, le seul truc que je me pose comme question, c'est est-ce que
On va pas suffoquer après. Non, je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Sinon, je trouverai un autre stratagème. Je remettrai la glowstone ici. Et je ferai un autre truc éventuellement. Je ne sais pas. Toc. Hop. Hop. Bon, on arrive bientôt en haut ou quoi? Fuck it, c'est long. Ouais, j'ai pas envie de tomber maintenant. Là, je suis con aussi d'avoir fait des étages en verre. C'est bien joli, mais on peut rien poser dessus. Donc du coup, il va falloir mettre des dalles ou un truc par-dessus le verre pour pouvoir poser ce qu'on veut. Donc enfin, ça dépend. Je sais pas si on peut poser... On verra, on verra. Hop. Hop. Je crois qu'on arrive bientôt en haut là, parce que ça commence à être un peu long. Ouais, c'est le dernier étage, je crois. Ouais, c'est bon, c'est le dernier étage. Ouf. Puis on va voir d'en bas après ce que ça donne, hein. J'espère que ça sera pas trop moche. Voilà. Et ici, du coup, on va faire un port d'atterrissage en bois. Oups. Voilà. J'ai gardé une hache sur moi ou pas? Non, bien entendu. Donc, hop, hop, hop. Toi, on te coupe. Voilà. Ah, je vais mourir. J'ai de la chance. De toute façon, je serais mort pas loin de ma... Oh putain, mais il faut garder faire le con. Ou alors, je vais mettre une source d'eau en bas. Je sais pas ce que ça peut donner. Allez, fuck it. C'est vraiment trop haut. Heureusement que j'ai un équipement en or, mais... Enfin, en jam, mais j'ai pas envie de l'abîmer. J'ai pas trop envie de l'abîmer, du moins. Voilà. Bon, ça rend comment? Ah, ça passe juste en dessous de la redstone. En fait, ça va, c'est cool. C'est joli. Ah non, en fait, ça rend bien. Je suis content. Ouf. Plus de peur que le mal. Bon alors du coup. Du coup. On va partir sur... Oh non. C'est trop serré. Ah non putain, c'est vrai, je suis con. Ah mais là je suis vraiment un trésor moi. C'est vrai que... Hop, les rails ici. Voilà. Et là normalement ça devrait se joindre. Cette histoire est bizarre. Pourquoi ça là, ça se rejoint pas? Ah putain, et ouais, c'est trop serré. Ah! Comment je vais me démerder là du coup? En fait, il faudrait qu'il y ait un virage et un plat. Parce que là, ça part bien. En fait, il faudrait que ce soit lui qui soit à propulsion, quoi qu'il arrive. Toc. Et après ici, il faudrait que ce soit comme ça. Et ouais, et là ça passe pas, ça fait... Bon, alors, du coup, je vais devoir utiliser un stratagème. Je vais laisser le bois, parce qu'au final, ça fait joli. Voilà. Il y en a qui vont dire, ouais, t'es un bâtard, en fait, t'es une grosse feignasse de merde, wesh. Non. Je suis pas une feignasse, c'est juste que... Je comptais pas mettre du bois, mais en fait, ça va, ça fait joli. Puis ça fait de la luminosité, mais moins bordel qu'avant. Je pourrais même mettre des marches, en fait, ici. Et pour le coup, je vais essayer de me démerder pour réussir à monter. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faudrait que je fasse un endroit. Genre à l'extérieur, par exemple. Il fait nuit. Non, il fait pas nuit, mais il peut. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, on a une épée. À un endroit, genre, que je fasse un ascenseur. Pour monter jusqu'en haut. Est-ce que je le fais devant la porte ici? Comme ça il y aura un double sas avec une entrée par derrière ou par derrière justement. Ouais, je vais faire par... Eh non, parce que derrière il y a le balcon, je crois. Attendez, le balcon il est où? Il est là, d'autre côté il n'y a pas le balcon, il y a directement la porte du Nether. Donc ouais, on va faire ça comme ça. Ça va être swaggy swag. Faut rester là bien comme il faut, comme ça. Comme ça, toc, toc, toc. Voilà. Et à partir d'ici, on va faire notre petit champ de... Notre petite montée. Alors, je sais pas combien il faut prévoir de hauteur.
On va voir ça ensemble, de toute façon. Je pense même que on va prolonger ça dans le prochain épisode. Là, j'aurais dû prendre une hache, je suis un petit peu con. C'est pas grave. Bon, alors du coup, ça, c'est la porte qui nous permettra d'entrer ici. Comme ça, bon, après, j'enlèverai les fours et tout le bordel, hein, vous inquiétez pas. Et ici, du coup, on va se faire un petit sas tout en bois, tout en planche. Du coup, j'ai bien fait de récupérer tout ça. Ça fera sympa, je pense. Ça sera pas trop moche, tout ça, ce sera bien. Alors, admettons qu'on commence... Tac, tac, le truc, il part de là, voilà. Comme ça, comme ça. Et après, on va faire partir un peu plus là, comme ça. Toc, toc, toc. Donc là, on est comme ça, on est comme ça. Voilà, on est comme ça pour les distances. Voilà, on va mourir. Donc, on partirait de là. Avec un bloc en hauteur. En fait, il faudrait qu'on soit déjà en hauteur. Donc, vous allez voir. Je vais récupérer une hache, parce que là, ça va être emmerdant, sinon. Hache, hop. Merci, mon frère. On va quand même faire comme si on partait déjà en hauteur. Comme ça. Toc. Et toc. Voilà. Non. On va remettre une planche. On va faire un rail, ici, qui... descend qui remonte. Sinon ça marche pas. Il va falloir faire un rail qui... ouais, un rail qui descende, comme ça. Quoi qu'il arrive. Donc cette fois on va le péter. Voilà. Non, on va le péter, on va remettre une planche par-dessous. Toc. Voilà. Toi on va te péter la gueule aussi. Merci beaucoup. Ça descend. Hop. Et après ici on va mettre un rail propulsion. Comme ça on va pouvoir remonter. Voilà. Alors ça va être un petit peu bizarre ce que je vais faire, vous allez voir de toute façon. Alors là du coup, un bloc, normalement ça devrait monter. Voilà, très bien. Ici on va mettre un dispenser, quand on appuiera sur le bouton, clac, ça va cracher un rail, un truc ici. Dès qu'on va aller dessus, ça va détendre, les... on va remonter direct. Voilà, et là c'est bien ce que je pensais, ça marche pas, il va falloir faire un peu plus de distance. Donc comme ça, comme ça. Comme ça. Voilà. Et là, on va partir plus comme ça. Et là, si je mets un bloc, là, ça devrait monter. Je suis pas fou. Pourquoi ça monte pas? Est-ce que c'est à cause de lui? Ou est-ce que après un virage, il faut absolument qu'il y ait un bloc? Comme ça. Et là, du coup, ça marchera pas. Ah si. C'est bizarre cette histoire, les amis. Je comprends rien. Hop, on tourne sur moi. Oh, tu t'écris chez qui, toi? Vas-y, casse-toi. Oh, c'est vrai que c'est la nuit. Alors là, du coup, ici, rail propulsion. Ouf. Même pas, on va le mettre ici, l'arrière propulsion. Ouf. Mais. What? Vous tombez d'où, les gars? Le mec, il a de la rotten flesh, il a de la bouffe de lui-même dans les mains, quoi. Ouais, il doit tomber des arbres, en fait. Alors là, on va continuer notre petite montée. Tac, tac, tac. Ici, avec un rail normal. Il y a déjà deux rails de propulsion. Putain, mais toi, je vais te niquer ta mère. Tu m'as saoulé, ça y est. Voilà. Et alors là, le virage. Pour le virage, il faut prendre... comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Putain, mais il y en a un infini des zombies là, quoi. Il y a un spawner au-dessus de chez moi, quoi, c'est pas possible ça. Mais laissez-moi vivre! Wouah! Trop de zombies, quoi. On va attendre le jour, je pense. Quoique non, on est des ouf. Comme ça. Et là, est-ce que si je monte, ça marche? Oui! Très bien. Et le rail de propulsion, on va même le mettre ici. Voilà. Muy bien, nigga. Alors là, du coup, toc, là, ça va monter. Ici, on va encore remonter. Et après, on va tourner. Alors, toc.
Alors là, on va se cracher la gueule. Voilà. Il va me falloir beaucoup plus de bois, en fait. Ah, c'est nul, ça. Toc. Toc, toc. Et là, du coup, je peux monter. Et même qu'ici sera un rail de propulsion. Toc. Toc. Voilà. Good, good, good. Du coup, on est sur un petit circuit comme ça, tranquille. Ici, on va refermer. On va refermer comme ça, hein. On fait ça à l'arrache, on s'en fout pour l'instant. Côté esthétique extérieur, hop, hop, on s'en tape. C'est toi, ça sert à rien, ça. Donc ça, ça vire, voilà. Ça, on va quand même faire ça joli. Voilà, 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 et voilà. Ah, bah déjà, c'est mieux. Toc, 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 toc. Alors là, on est parti à combien du coup? 1, 2, et ça monte, et là, clac, et là, ça devrait monter ici. Voilà, bah c'est génial, c'est exactement ça. Bon, vous savez quoi? On va arriver dans très très bientôt, je pense, à la fin de l'épisode. Donc ce que je pense faire, c'est continuer ça en off. Voilà, je sais pas si ça vous convient de cette façon. Mais je pense que c'est une bonne solution pour avancer. Moi j'avance, mais pas trop non plus. Je fais juste ça, histoire de pas vous vous balancer full montage comme ça, parce que j'ai quand même pas mal de niveaux à faire. En même temps, s'il me manque de l'or, j'irai reminer de l'or. S'il me manque du bois, j'irai recouper du bois, tout ça, parce que ça risque d'être un poil long, je pense. Alors là, déjà, ce que je vais faire, c'est, vous avez compris le délire, hein. Ici, il y aura le dropper qui va tout dropper. Un minecart, j'en ai un. Je crois, je l'ai récupéré dans le machin là. Il est où le minecart? Il est le petit minecart? Je crois qu'il est là-bas. Il est là, voilà. On a notre wagonnet. On a un même temps, on a encore des rails ici, bien. Et il nous faut. Comment on fait un putain de dropper? Alors ça, c'est un truc. Ma foi, je sais pas du tout. Un four, il y a pas un truc comme ça. Putain, non mais moi et les crafts quoi. Ça c'est vraiment un truc. C'est incroyable. Ouais, oh, peut-être il faut faire comme ça. Hop. Avec une pierre au milieu. Non, c'est pas ça, forcément. Vous savez quoi? Pour l'épisode. Ce sera le 8, 9, ce sera le 10. Pour l'épisode 10. J'aurais fini notre petite wagonnet. J'aurais trouvé le craft du dropper et tout le bordel, vous inquiétez pas. Et voilà. Alors là, est-ce que je peux... Oh. Ah oui, allez-y. Faites des bébés. Hop, hop, hop. Et hop, voilà. Allez, continuez à faire des gosses. C'est bien. Le sexe, c'est la life. Easy money. Easy money. Oh. Ah, voilà, j'ai eu peur. Je croyais que tu voulais plus, toi. Toi. Toi tu veux pas, toi tu veux pas. Toi, j'en ai eu un je crois. Donc toi, avec toi. Bim. Ah bah voilà, notre ferme commence à s'agrandir. Voilà, voilà, voilà. Je me suis plus. C'est marrant quand même. On va regarder notre petit champ. Voilà où ça en est, tu sais ça. Oui. Good, good, good. I like this. Toc, 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 toc. Oups, j'en ai cassé un en trop. J'aurais pas dû casser. Ils sont là, mes cannes. Toc. 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 Putain, en fait, j'en ai pété trop en trop. Oups. Ça non plus, tiens, c'est pas prévu, ça. J'ai dû... Ah ouais, du coup, j'ai récupéré de la terre cuite. Ça, j'aurais pas dû le récupérer. C'est un truc aussi que j'avais fait en créa. C'est pas grave. On n'est pas à 3 près de terre cuite, hein. Bon, bah là, tout va bien. Ah, toc. Ensuite, ah, bah les trois pastèques là-bas ont poussé, ça c'est cool. Elle a poussé du coup un peu décalé. Mais c'est pas grave. Hop, et d'un. Et de deux. Et de trois. Voilà, cool.
On va ranger tout ça là dedans. Bim. Voilà, les citrouilles, on va les laisser là, elles sont tranquilles ici. Et niveau carotte, on en est où? On a une carotte. Putain, c'est vrai que c'est long quand même à pousser ces carottes. Hein. J'ai fait ça en début d'épisode, après une demi-heure, et ça ne fait que ça. Ah là, tac, tac, et tac. Bon, bah voilà, c'est pas mal quand même. Et ici, hop, pour l'instant, on consomme pas vraiment de notre production, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, hein. On nourrit les vaches et tout, bien. Après, il nous faudrait aussi des poulets. Tiens, je vais essayer de ramener des poulets pour l'épisode suivant. Comme ça fera plein de trucs à faire. J'aurai le temps de m'occuper hors caméra. Voilà, voilà. Alors, je remets les petites graines. Et puis, ben, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode 9. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Hein. Vous pouvez pas savoir quand même. C'est un petit clic de rien du tout pour vous. Mais pour moi, ça représente quand même quelque chose d'important. Et puis voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like aussi sous la vidéo. Si vous avez aimé cette petite vidéo. Et puis, moi, ça me permet de savoir hein, si vous l'avez aimé ou pas. C'est... Voilà. Moi, ça me sert. Toc, toc, toc. Bon. Ah, mais il y a encore une carotte qui a sorti de terre. Bitch. Trois carottes. Toc. Et là, toc, toc. Bon. Ça s'agrandit. C'est bon. On va reposer ça là-dedans. Du coup. Toc. Voilà. On va poser... toutes ces conneries dans le coffre. Ouais, je vous ferai un rangement aussi des coffres, je pense, pour la prochaine fois, parce que là, ça commence à être un petit peu relou. Il y en a de partout, des coffres ici. Putain, ça a l'air libre. Les mobs, ils peuvent rentrer chez moi et tout comme de la merde. Je vais faire ça vite fait, puis on se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 10. Ah, attendez, putain. Je vais faire un dernier truc avant de clôturer la vidéo. Allez, allez, tu peux le faire, easy money. Ah ouais, il faudra aussi que je me fasse un arc. Du coup, j'ai largement de quoi faire des arcs, j'ai plein de fils. Vu que j'ai dû couper plein de fils dans les mines. J'ai pas de la bouffe sur moi là. Parce que forcément, hop, si j'en ai. Comme je suis con, moi je me fais un milliard de bouffe, mais j'ai jamais rien sur moi. Voilà. Bon, et puis, hop, on va aller placer notre petite table d'enchant. Là-haut, vers le portail du Nether. Et puis après, bon, on farmera les vaches. Du coup, bah, les vaches, on en a plein. Pourquoi on a des vaches, vous croyez? Pour le cuir. Et pourquoi pour le cuir? Pour faire des livres et des bibliothèques. Oh, oh, oh. Et oui, c'était pas pour rien que je voulais faire des vaches en priorité. Pour faire plein de bibliothèques. Wow, 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 wow. Voilà, bon. Alors, où est-ce qu'on va mettre notre table d'enchant? Là, du coup, on a notre portail du Nether. Là, on a notre balcon. Et ben, on va la mettre ici. Faudra calculer. Alors, attendez, je vais simuler. Avec de la terre, très bien. Les trucs, alors attendez, symétrique, tac 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 tac, comme ça c'est pile en face de nous quand on arrive. On va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc le milieu ce serait ici. Bim. Voilà. Tranquille. Pour l'instant on va laisser notre terre ici, hein, dégueulasse, ce sera pour mettre après les bibliothèques. On est au courant, et je vais essayer d'enchanter du coup vite fait. Par exemple, mon plastron en jam. Putain, j'espère avoir protection 1. Protection contre les projectiles 1. Fuck, c'est moche, ça sert à rien, c'est débile. Et mon pantalon. En niveau 1, j'aimerais bien la protection 1. Hop. Non. Hop. Protection 1, wouhou, génial. Et on va aussi faire, t'as pas faire, les bottes et le casque. Alors, les bottes. Ou du Feather Falling. Putain, protection contre les projectiles, ça c'est de la merde. Et protection 1. Bon, on a 2 sur 3, 2 sur 4. Voilà, on est full enchant, James. C'est pas la grosse classe, nigga, oh, the money. Donc, on se retrouve très bientôt pour l'épisode numéro 10. Je vais m'activer pour essayer de faire tout bien comme il faut. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à laisser un petit like sur la vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Narco, ici.